Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Allez, on va parler un petit peu de l'armure, comment monter son stuff aussi bien PvE que PvP assez rapidement et surtout équivalent, enfin polyvalent pour toutes les activités. Donc après, bien évidemment, c'est comment moi je monte mes armures. Je me fous littéralement de les saisons. Je n'ai rien à rajouter, c'est juste des modes de base. Et c'est avec cela que je fais littéralement tout. Aussi bien les nuits noires en grand maître, les raids également en grand maître. Donc voilà, je sais que ça passe. Après, il faut avoir un minimum d'expérience et déjà de base des pièces d'armure pas trop dégueulasses. Donc déjà, premier point, vos pièces d'armure. Ne montez en pièces maîtresses uniquement les armures que vous allez garder. Ce qui est important, c'est que vos pièces d'armure soient au grand minimum pour ceux qui ne veulent pas trop se faire chier, qui sont là plus pour s'amuser, avoir des pièces avec un total minimum de 60. 65, ce sera préférable. Et si vous avez du 70, là, vous commencez à taper dans une armure vraiment tip-top. Pour la simple et bonne raison, c'est que plus de base votre armure aura un total élevé sur chacun de vos pièces, plus vous aurez des stats élevées et d'où moins justement vous pourrez gaspiller de l'énergie dans les modes justement pour augmenter vos statistiques ou alors bah, justement ça vous permet de pouvoir bien peaufiner votre petite armure. Chose importante, monter sa pièce d'armure en 10 en pièce maîtresse nous permet de l'augmenter de 10 points. Ah, ça va nous donner littéralement 2 sur tout, aussi bien la résistance, la récup, l'indiscipline. Moi, pour le coup, je fonctionne sur toutes mes armures, enfin du moins pour du PvE, avec la tête, les bras ainsi que le fanion en abyssal, et le torse et les bottes en cryo. Donc pourquoi vraiment moi, c'est ça obligatoirement, étant donné que là en plus ils ont rajouté aucun mode avec l'arrivée de la reine sorcière, c'est simplement c'est que j'ai pris chaque pièce d'armure, voilà, et j'ai regardé ce que moi j'utilise, tout simplement. C'est vrai qu'on a à chaque fois trois pièces quasiment, donc là il y en a quatre, sur la tête il y en a trois, et à chaque fois vous en avez une différente en fonction de l'élément dans lequel vous allez avoir mis votre doctrine. Là j'aurai une résistance solaire, une résistance stasique, une résistance abyssale, la résistance cryo. Là après c'est pareil, ça va être un peu plus technique pour le coup, ça va réduire les délais de récupération en fonction des orbes qu'on va récupérer. La classe ce sera pour la grenade le coup de poing, ou alors tout simplement toutes les compétences. Donc c'est vrai que c'est intéressant, il faut vraiment se pencher à fond sur les petits modes pour se faire l'armure dans laquelle vraiment on veut s'optimiser. Donc partons directement sur le casque. Donc moi le casque, déjà d'un premier point, pour toute l'armure, je vous recommande les modes mineurs, hein, c'est vraiment de les mettre, ou enfin tous les modes comme ça de la première, c'est de les mettre vraiment en dernier. Regardez votre armure, mettez, gardez les points que vous allez utiliser obligatoirement. Comme là, moi je sais que voilà, j'ai souvent besoin de deux détecteurs de munitions, ou alors je fonctionne avec la petite dynamo justement qui va me réduire le délai de récupération du super lorsque je vais utiliser mes compétences de classe à proximité d'ennemis. C'est vrai que ma grenade, mon lancer de bouclier et ma barricade, je suis toujours collé aux ennemis, donc ce qui fait que je récupère mon super un petit peu plus rapidement. Donc déjà, je sais que ça va me compter 4. Et voilà, à côté, il faut que je puisse, voilà, si j'ai un linéaire, je fonctionne beaucoup avec le linéaire, beaucoup avec l'épée, il bah, faut que je puisse mettre un mode justement de récupération, enfin de détecteur de munitions sur mon arme lourde ou mon arme secondaire, vous voyez là, mon petit fusion, pourquoi pas? Il faut absolument. Une fois que, voilà, on a mis ce qui va vraiment nous servir pour notre gameplay, là, à côté de ça, il suffit de regarder comment est notre pièce d'armure, voilà, en faisant le petit casque, ça va nous permettre de ne plus afficher les détails de notre pièce d'armure, mais de l'ensemble de notre armure. Et là, bah tiens, je me dis, ok, je pêche un petit peu en résistance. Donc là, pourquoi pas, hop, j'augmente ma résistance. Là, c'est vrai que je ne l'ai pas mis pour la simple et bonne raison, c'est que ça m'atteint 59. À savoir que pour que ça valide, pour qu'on passe au palier au-dessus, c'est des tranches de 10. À 59, en gros, c'est comme si j'avais littéralement 50. 73, donc j'ai 70. 61, j'ai 60. 81, j'ai 80, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que là, ça ne m'apporte rien d'augmenter un petit peu mon armure ici. Mais après, à l'équivalent, ça peut me permettre, sur une autre pièce, au lieu de mettre un mode de résistance qui va me coûter 3, je peux en mettre un qui va me coûter 1. Et ce qui fait que je vais passer à 64. Donc je suis dans les barres des 60, j'ai augmenté ma résistance. Après, voilà, à vous vraiment de bien peaufiner votre armure. Mais c'est vrai que moi, sur le casque, ce qui m'importe littéralement, c'est ma petite dynamo et mon détection de munitions. Pour
Le gantelet, donc là moi je vais toujours penser au mode pour les champions. Donc on a de la chance pour cette saison, il y a un mode à 5 et tous les restes sont à 1. Donc ça ne consomme littéralement rien du tout. Mais souvenez-vous, la saison dernière, hein, il y en avait qui coûtaient quand même un petit peu plus cher. Il y en avait surtout deux qui nous coûtaient cher. Donc c'était le fusion et je ne sais plus. Donc c'est vrai qu'il faut prévoir en conséquence. D'où le fait que ici j'ai uniquement un mode à 2. Et comme ça derrière, je sais que je peux enquiller un mode à 5 par exemple. Hop, et pouvoir partir sur autre chose, un petit mode A2 qui va me coûter, c'est vrai que ça passe sans problème. Sinon, à côté de ça, je fonctionne toujours avec cette augmentation de portée de la grenade. Je trouve que c'est vraiment génialissime, hein. C'est beaucoup plus simple à gérer. Et puis bah, après, ici, soit le champion qu'on a besoin, soit une vitesse de rechargement, c'est toujours agréable. Après, les puits, là donc ramasser les puits justement c'est pour le mode de la saison. Ça je ne vous en parle pas, c'est vraiment du petit plus hein, si je peux dire. Voilà avec ce petit mode là, c'est de l'artefact. Moi là j'ai de la place donc je les mets. Sinon littéralement je m'en contrefiche. Vraiment l'armure, comment je l'ai montée, comment là je vous la présente, c'est l'armure de base que j'utilise peu importe la saison. S'il y a des modes je les mets tant mieux, s'il n'y en a pas je m'en tape car c'est comme ça que j'arrive à faire toutes mes activités. Pour le torse, donc là, c'est le torse, je l'ai passé en cryo pour la simple et bonne raison, c'est que le torse, comme les jambes, en niveau mode, ça me coûte le moins possible. Donc c'est là où je vais pouvoir mettre les modes les plus coûteux. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a deux modes en armure cryo-électrique qui vont nous permettre de récupérer 20 de force, voilà, ça va me coûter 3. Et vous allez voir que sur les bottes, ça va me donner 20 de mobilité, par contre, ça va me coûter 4. D'où le fait qu'il faut vraiment une pièce d'armure qui ne consomme pas grand-chose. Là, je vais toujours fonctionner avec la résistance de dégâts à distance. Donc pour les snipers, notamment en GM, ça évite de se faire one shot, il faut deux tirs. Et l'amortisseur de commotion, donc ça c'est pour tout ce qui va être grenade. Ça fait c'est une réduction de dégâts vraiment génialissime, hein, parce que pareil, quand on a des infâmes qui nous balancent full grenade abyssale et que c'est une augmentation de dégâts abyssaux, on est vraiment très content d'avoir ce petit amortisseur de commotion, car il nous permet, si on est très rapide, de se barrer aussitôt et de ne pas mourir, contrairement à si on ne le possédait pas. Là, pour la saison, faut pas hésiter, hein. On a le mode de résistance cryo et solaire, hein, c'est que là, toute la saison va être vraiment basée sur ces deux dégâts-là en priorité, donc il est assez intéressant et vous voyez que j'ai largement la place, il me reste même une énergie à utiliser. Pour donc là, les bottes, donc le petit mode, donc là c'est ami puissant qui me permet d'avoir 20 de mobilité, mais 4 pour le coup en consommation d'énergie. Si vous n'avez que un des deux, il vous faudra obligatoirement mettre une autre, enfin hop, ici par exemple la tonique ça coûte que 1. Mais il faut obligatoirement un deuxième mode cryo pour les activer. C'est pour ça qu'ils fonctionnent ensemble. À partir du moment où ils sont ensemble, voilà, il y a un autre mode cryo sur l'armure. Donc pour le coup, il s'active. Si voilà, il n'y avait pas l'autre, elle est simplement grisée, elle n'est pas activée. Donc là, après, ici, à vous de voir. Moi, c'est vrai que j'ai mis ça histoire de mettre réellement quelque chose. Car tout ce qui va être. Tout ce qui va être vraiment dans les jambes, je n'en vois strictement aucune utilité. C'est vrai que moi je suis un rechargeur compulsif, si je peux dire. Je passe mon temps à recharger. Même quand je suis en plein fight, je prends le temps de recharger avant de changer d'arme pour toujours être opérationnel. Après, voilà, faites-vous plaisir. Hein. Si vraiment vous avez l'habitude, parce que c'est vraiment comme des holsters de rechargement, ça peut être vraiment très pratique. Mais moi, c'est pas encore rentré dans ma façon de faire. Et pour là, le fanion, donc là, surtout sur cette saison, on a énormément de choses intéressantes à mettre, mais sinon, sans parler de ça, donc là, je suis repassé en abyssal car je vais avoir justement la persistance qui va me permettre de réduire le délai de récupération des compétences de classe, encore une fois, quand je vais utiliser mes compétences de classe. Et le petit mode A4 qui va me permettre de réduire tous les délais de récupération des compétences lorsque je vais utiliser encore une fois mes compétences, mais ce coup-ci à proximité des ennemis. Donc ces deux-là font un très bon combo. Après, là, c'est vrai que pour la saison, là, je vais gagner de l'énergie de mes compétences la moins chargée quand je vais éliminer une cible. Donc voilà, ça fait à peu près la même chose, mais pour le coup, ça me permet d'en récupérer plus parce que c'est juste en tuant. Donc là, après, une fois que la saison sera finie, ce mode-là sera pas. Voilà, je vais le dégager pour remettre mon mode de base, le ce pourquoi j'ai passé ma pièce d'armure en abyssal. Donc après, donc ça c'était l'armure PVE, et là je vais vous montrer comment moi je monte mon armure PVP. Donc là pour le coup le casque sera en solaire, les gantelets, torse et bottes seront en cryo et le fanion sera lui aussi en solaire. Donc pour le casque,
Moi, c'est vrai que je fonctionne énormément avec ma grenade, je fais beaucoup plus de dégâts, enfin de kills avec ma grenade qu'avec mes coups de poing. Donc là, cette les frags avec la grenade vont me permettre de régénérer un peu plus mon super. Et à côté de ça, bah voilà, il faut mettre du petit ciblage, hein. C'est du PVP, notamment voilà, je pense à l'Osiris, car c'est là où on en a le plus besoin. Il faut vraiment pas hésiter à mettre ces bons petits ciblages, quitte à virer voilà, ce petit mode pour la grenade, hein. C'est le ciblage en priorité. En fonction de ce que je joue, là où je suis le plus à l'aise, je m'autorise de régénérer un peu plus mon super en faisant des frags à la grenade. Pour les gantelets, donc là, toujours se lancer de grenade pour aller le plus loin possible. Et là, ça va être la vitesse de rechargement de mon arme principale. Après, infliger des dégâts avec votre grenade va me permettre de récupérer le délai, enfin, de réduire le délai de récupération de mon attaque de mêlée. En abyssal avec le lancer de bouclier, ça peut être assez intéressant. Pour le torse, donc là, lui, ça va être pas grand-chose, étant donné que bah, les modes de résistance fonctionnent pour le PvE et non le PvP. Mais par contre, on peut augmenter la quantité de munitions, notamment si on joue lance-roquettes, linéaire ou batteuse. Quand on prend les mines lourdes, ça nous permet d'en avoir un petit peu plus. Et à côté de ça, on fonctionne, enfin moi personnellement, je fonctionne avec justement la visée imperturbable. Pour le sniper principalement ou le revolver, comme ça même si on me tire dessus, ça me permet de moins bouger et de pouvoir caler mes têtes tranquillement. Derrière, toujours le petit mode qui va me coûter 3, qui va me permettre d'avoir 20 de force, et bien évidemment, vous vous en doutez, sur les bottes, le petit mob qui va me permettre d'avoir 20 de mobilité. Donc là, c'est vrai que, encore une fois, vous pouvez fonctionner avec l'étui qui va nous permettre de faire comme un holster de rechargement, bien qu'il sera beaucoup plus long, ou alors voilà, moi j'ai privilégié, quand je vais ramasser une orbe d'un de mes collègues, pouvoir récupérer mon attaque de mêlée le plus rapidement possible, étant donné que je joue en mêlée avec le lancer de bouclier en abyssal, hein, vous l'avez compris, ça fonctionne assez bien. Et pour le torse, j'allais dire, et pour le fanion, donc encore une fois, je vais fonctionner avec la récupération de mes compétences quand je vais utiliser mes compétences à côté des ennemis, et encore une fois, la grenade, donc réduit le délai de récupération de la grenade quand je vais utiliser mes compétences de classe. Voilà, moi comment je fonctionne sur mes armures. PvE, PvP, et c'est vrai qu'au moins ce n'est pas la plus opti, certes, mais au moins je ne me préoccupe absolument pas de cet artefact. Si je peux en mettre, voilà, comme par exemple celui-ci qui me permet de résister aux dégâts feu et cryo, c'est un petit plus, mais si je ne l'ai pas, ça ne changera rien à mon gameplay, ça ne changera rien à ma résistance de base à laquelle je suis habitué. Après, voilà, ce n'est pas optimisé à fond. C'est vrai qu'il y a des mecs qui c'est juste des monstres en fonction de l'artefact, comment on le gère. Mais voilà, c'est une armure passe-partout et qui est vraiment assez simple à monter. Tout le monde a les modes disponibles pour pouvoir la monter. Sur ce, bah, n'hésitez pas à faire un petit tour en description. Hein, si voilà, vous avez des petits commentaires, des petites remarques, n'hésitez pas. Si vous voulez des tutos en particulier ou autre, faites-vous plaisir. Allez, sur ce, bonne game à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.